Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve sur Gesso Gaming pour la suite de The Evil Waiting. Nous sommes rendus au chapitre 12, heure de pointe. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Jenny qui a voulu assister au chapitre 12. Donc elle est à côté de moi, elle ne participera pas au gameplay, mais elle sera à côté de moi. Comment t'es arrivé là ? Bonjour à tous. C'était pas facile. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas fait d'autres crises. Eh ben, t'as bien de la chance. Hé, hey, je crois que je nous ai dégoté un moyen de transport. Tu crois qu'il marche ? On va voir ça tout de suite. Merde ! Qu'est-ce que vous foutez ? Répondez ! Nous sommes dans un bus avec une conductrice hors pair, hein. Franchement, rien à dire. J'adore. Ah, la climatisation, voilà. Pas question que je crée ici. Ouais. Ouais, bien sûr. Excuse-moi, mon garçon. C'est la vie, finalement. Alors, C'est vraiment sans stress, hein, vraiment. Il nous regarde. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais je suppose que oui. Chouette. Jay, tu penses qu'on doit faire quoi ? Dire ? Dire tu peux dégager, je suis dans la merde ? Ok. Pourrais-tu dégager, s'il te plaît ? On est dans la merde. Non, il n'en a rien à foutre, hein, vraiment. Mais non, mais vraiment, je sais pas quoi faire, en fait. Accélère ? Non. je ne sais pas quoi faire. J'ai mis toutes les balles que j'avais. Je ne vois pas quoi faire de plus, en fait. Tu me conseilles quoi, Jimmy ? Ok, en fait, tu ne sers à rien, tu sais. J'ai tapé dessus, t'es pas là. Je crois que je suis dans un bug, je sais pas si c'est moi, mais. Qu'en penses-tu, Jenny ? Ouais. Bon, bah il est bugué. Bah, il a sans recommencer, je suis depuis le début, ça a pas dérangé vu qu'on est au début. Peut-être que essayer peut-être de tirer dans son ventre. Avec les boules, il a des sortes de boules en dessous de son ventre. Ouais, pourquoi pas. Peut-être. Donc, Jenny, si vous l'entendez pas, elle me propose de tirer dans les trous de son ventre.
Ça fait plaisir de voir. Bon, je vais passer à la cinématique, hein, parce que s'il y a eu un bug, ça sert à rien d'avoir de quoi. Parce que lui, il était dans la tête, donc peut-être que c'est parce qu'il vous tirera la tête aussi. Non ? Alors, Jenny me conseille de tirer dans les boules, hein. Comme elle dit, hein. Ça ne fait rien. Ah si, peut-être, ça fait quelque chose. Oui, il est un petit peu agressif. Attends deux secondes, je récupère mes balles, mon garçon. Et après, sois agressif si tu veux. Non mais garçon, laisse-moi prendre mes balles, quoi. D'ailleurs, tu bougeais pas. Franchement. Voilà, c'est ça. Mais comme on savait pas, vu qu'il était bugué tout à l'heure, voilà. C'est ça. C'est pas grave, c'est le temps de comprendre. Comme d'habitude, y a pas de problème. On passe cinématique, on l'a déjà vu tout à l'heure. On va prendre toutes les balles. Bon, c'est un peu con, je peux passer ça. La climatisation, comme d'habitude. À toi, ouvrant. Pas question de crève ici. Et wow, 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 wow. Dégage, moi ça. On n'est pas assez intime pour ça. On n'est pas assez intime, j'ai dit. Garçon. Hop, petite seringue. Non, c'est la tête. C'est la tête, sauf que t'es là, il a tout bugué. De quoi ? Merde, c'est pas le McDonald's, c'est le... Allez, allez ! L'avantage des larves, c'est que ça me donne des munitions. Mais what? Bouge! Allez! Voilà. Ah, par là! On va prendre un peu de fusil à de ce sniper. Voilà, voilà. Quand du tout il sort de l'air, c'est ce que je viens de dire. Oh là, oui, d'accord. Sympa! Les balles. Pourquoi je peux pas prendre le flingue? Quelle cinématique, ouais, d'accord. Voilà encore. Bastien, ils sont dessus. Attention, ils ont des explosifs. Voilà, hein. Éteins. Ah, tu t'es auto-explosé. Ok. Y'a qu'à côté ou pas? Ouais, y'a deux côtés. Sur quoi tu tires? Mais il est mort, mon gars. Pourquoi tu te fais chier, quoi? Ça a raison. Je vais même pas tirer la tête. Voilà. Et une caisse qui a venu par magie. Allez, mon garçon. Oh, synchronisation totale. Magnifique, ça. Moi je sais pas, c'est bon, c'est revenu. J'ai l'impression que ce chapitre est quand même bugué. Il y en a d'autres qui rappliquent. Ouais, j'ai quand même cette impression. Regardez, c'est sans froid. Il est à terre.
Le plomb, j'ai rien. Précision, grenade. Alors, c'est une petite grenade. Hein. J'ai bien lancé. C'est ses potes qui l'ont cramé. Lol. Ouais, je vois ma fille, t'inquiète pas. Ah putain. Et boum. Ah. Allez, continue. Hop, et là. C'est ça. Petit crâne, c'est parfait. Ah, moi aussi je crame. Je m'en occupe. Forcément, on n'a plus rien. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas passé loin. Je peux pas laisser toucher des balles ou trop. J'ai les balles qui arrivent par magie. La conductrice, toi, sérieusement. Pas difficile, hein, je vous le dis. La conduit aussi bien que toi, en fait. La conduit aussi bien que toi. Ah putain! Joseph, tire pas, hein. Des fois que tu te foulerais un poignet, on sait jamais. Par contre, voilà quoi. Putain, non, dégage. Allez. Allez. Sur un quoi, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Enfin, exactement. C'est une façon de voir les choses. Allez, je prends. Bon, moi j'ai plus d'armes. Hein. J'ai vraiment, ouais. C'est pas une raison de me foutre un coup dans la gueule, hein. Non mais oh. C'est con, tu les vois pas arriver les pattes. La caméra suit mal. C'est un peu ça le problème. Allez, on est reparti, c'est pas grave, c'est pas un souci. Y'a pas de problème. On reprend là, ok. Allez. Plus de qu'il arrive. Non. Prenez la route de gauche. Non. Ah non. Ouais, tout est petit machin. Hein. Ça. Et je peux pas les avoir la main quoi, enfin la main. Ouais, ce que je veux dire quoi. Ça. Allez, ta petite seringue, garçon. Voilà, vraiment besoin. Ok, j'ai eu quoi trop bien comme arme. C'est une précision. Ok, écoutez. Ah ouais, non, mais je peux pas les avoir avec. À la main.
Tiens, j'attends que je vous aide les flingues, hein. Au pire. Allez, on dégage d'ici. Je vais prendre une seringue. Voilà. Hmm. Ah, il est nerveux, c'est sûr. Allez, accroche-toi. Ouais, pourquoi pas, c'est un style, c'est une façon de voir les choses. Pourquoi pas. Où est-ce qu'on va, Joseph? J'ai une idée. On n'arrête pas d'être baladé de gauche à droite, comme des pions sur un plateau. Donc, c'est quasiment impossible de déterminer où on se trouve exactement. Mais cette lumière, celle de l'hôpital psychiatrique, on la voit toujours au loin. Cette machine à laquelle j'étais branché, je l'ai vue à des endroits différents. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression que c'est toujours la même, mais c'est difficile d'en être sûr. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je vois une de ces machines, je me rapproche de plus en plus du phare. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais comme je l'ai dit, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Donc tu crois qu'on devrait aller droit au but en fonçant directement à l'hôpital? Exactement. Bien vu, inspecteur. La route de droite avait l'air plus directe pour rejoindre l'hôpital. Ça, c'est ballot. Faites-nous sortir de là. Il y a une ambulance. Peut-être qu'il va servir de secours.